Coucou, j'écoutais un oiseau. Bah maintenant que je retrouve à peu près une tête humaine, on a eu chaud sur Lyon. Aujourd'hui j'ai reçu une commande de vernis d'Angio Beauté que j'en avais déjà commandé deux. AngioBeauty.com. Ça c'est ma facture. Alors je l'ai reçu dans une belle boîte comme ça. Bon, ils étaient tous, j'en ai commandé trois, ils étaient tous emballés, ça c'est un petit bonbon que j'ai mangé, mavie.com. Alors ils étaient tous emballés dans des petites bulles d'air individuellement, ça c'est le fond. À la première commande, je ne sais pas si ma vidéo y est encore parce que j'ai scratché toutes mes vidéos une après-midi sans le faire exprès. Alors, la première commande que j'avais passée, parce que ce qui restait, parce qu'ils se vendaient énormément, c'était ces deux petits. Voilà. Un rose, qui est Mrs. et Mr. Night Potion, Custom and Unmixed Night Lacked. Alors, il y a une petite sorcière avec un chaudron dessus. Là, je l'aime énormément. Il est avec tout un tas de petites paillettes, toutes les couleurs. Et il y a un petit diamant dessus, enfin diamant, un petit strass qui est connu par Fairy Makeup. Elle l'avait commandé aussi. Voilà, ça c'était le premier. Avec celui-là, j'avais commandé le Black Cat Lacquer, The Dream of the 90 is a life, ouais, excusez-moi, quand j'ai eu chaud, je ne parle plus anglais, je parle déjà pas beaucoup anglais. Black Cat, la kid, voilà, là, avant c'était l'ancien design, maintenant il est présent dans des petits flacons comme ça. C'est un gris très clair, il y avait le blanc aussi, mais il n'y était plus. Un gris très clair, avec plein de petites paillettes. Et là, pendant 2-3 jours, il a fait une petite promotion, ils étaient à 9 euros au lieu de 13 euros. Du coup, j'en ai profité pour en commander 3 de plus. Voilà, des petits précieux. Alors, je vais commencer par celui-là que je porte. Je l'ai pris parce qu'il est toutes les couleurs. C'est Black Lucky de She's in Party. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est un gris très clair aussi, mais quand vous voyez la différence par rapport à l'autre, il est avec plein de paillettes multicolores comme le carnaval. Et celui-là, je l'ai posé ce matin. Bon, ça y rend pas hommage, je trouve, parce que ma caméra éclaircit un peu avec la lumière. Il est avec plein de petites paillettes comme carnaval. Très joli pour l'été. Après, j'ai commandé aussi le Hong Kong Garden, jardin de Hong Kong, qui est un rose fuchsia, je dirais. Voilà. La Hong Kong Garden. Et c'est un rose avec plein de petites paillettes qui tirent plutôt au bleu, mauve et vert. On les voit. Là, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai trop hâte. Il est très joli. Et le troisième, par rapport au Hong Kong Garden, il tire surtout plutôt au rose clair. Voilà, on voit la différence. Ouais, je vois. C'est la caméra, ça inverse. Voilà. C'est le Woman and Woman First. C'est un rose tendre, je dirais rose, avec des paillettes, des hologrammes blancs et noirs. Et des petits. Des petites barrettes blanches et noires aussi. Très joli aussi. Voilà, c'était
les trois petits derniers, ça m'en fait 5 en tout. C'est présenté sans l'étiquette pour qu'on voit mieux les couleurs. Je fais attention. Voilà. Il y a le rose foncé, un blanc gris et un rose fuchsia. Et pendant 3 jours, il faisait, je ne sais plus si c'était 20 ou 30%. J'ai pas fait le. Je crois que c'était 30%. Je les ai payés chacun 9,99€, pour ne pas dire 10€ au lieu de 13€. Voilà, voilà. Et puis j'ai un petit mot de remerciement. Et je fais un bisou. J'en attends d'autres, mais c'est pas encore arrivé. Allez, ciao, ciao.